Bonsoir tout le monde. Nouvelle qui sortit dans Miami Herald, eh bien, fait connaître que, eh bien, aucun pays dans le Caraïbe là, pas supposé compter sur les États-Unis s'ils ont besoin des équipements médicaux, tant que masques, ventilateurs, gants. En fait, plusieurs pays ça, lorsque ils ont fini de passer des ordres, qui ont été en fait décidé de bah, acheter avec combien, mais les États-Unis bloqués, ils ont empêché aux jeunes bagages ça. En d'autres termes, pays Caraïbe, pas qu'à compter sur les États-Unis en termes de partenariat sous dossier ça. Si au Bélé, s'il a mouru, je supposais à l'autre côté. C'est une nouvelle qui est triste. Nous l'a dit que quel que soit le pays de la Caraïbe, là, Haïti inclus, dans ce moment-là, eh bien, si pour les États-Unis, vous avez passé un ordre, vous avez acheté, vous avez besoin de masque N45, vous avez besoin de gants, n'importe équipement de personnel médical, ou pas qu'à joindre bagage ça. C'est un lord qui vient justement de l'administration Donald Trump. C'est un bagage qui est vraiment triste, et ça n'a pas dit là. Et pendant que nous connaissons un peu le pays dans le Caraïbe, qui a bataille justement, notamment au gain République dominicaine, tout pour coller Haïti, côté que Caïwa a augmenté chaque jour plus, et bien, dans l'État, ça en fait, a fait face à une crise humanitaire. Une partenaire qui toujours a clé on est que le bon côté ou qui l'a pédé ou qui a fait partenaire ça tout souvent qui a demandé pays Caraïbes soutien leur besoin agit tant qu'on a besoin sanctionner pays Venezuela ou bien t'avler tout sanctionner pays qui bat les toujours demandé ou il fait il promet que l'a pédé je dis face à une crise mortelle eh bien li bloquer plusieurs et achats que pays ça a fait la canne. En fait, bien porte-parole du CBP, ça nous est le Custom Border Protection, qui confirme, by Journal Mirror, que effectivement, agence qui travaille là, et avec FEMA qui c'est Fédéral des jeunes, eh bien, ils ont été bloqués, ils ont été empêchés, ils ont distributeur et voyez, ça nous est les PPP, ça nous est les Personal Protective Equipment, les équipements médicaux, ils ont été empêchés. Là-dedans, on avait dit qu'il y a un masque, qu'il y a un gant. Et ventilateur l'était empêché ou voyez et équipement ça yo et bien et dans les pays étrangers tant que la Caraïbe et donc ça veut dire et CBP Custom Border Protection déclaré que et bien la commencé justement bloquer tout shipment qui gagnait bagage ça ou la donne et il déterminé parce que tout produit ça yo en fait j'apprends yo et vini aux États-Unis bon il y a deux options on va connaître est-ce que c'est pour l'interrogation. Est-ce que l'aéroport au Kounia là, il y a au moins pour mettre mon ça au combat que va dire au Just Kembe. OK? Par exemple, la semaine qui se passe, il y a plusieurs pays dans le Caraïbe là qui ont plein de causes ça. Ils sont victimes déjà. On veut parler de Bahamas, on veut parler de l'île Caïman, Barbade. Tout est qui des conteneurs lourds, des foules, avec des équipements médicaux qu'ils ont achetés dans les mains des vendeurs qui aux États-Unis. Mais ils ont bloqué, achat ça pour Custom Border Protection bloqué pour être capable d'entrer. Et donc, n'a pas parlé, comprendre mes amis, n'a pas parlé de Personal Protective Equipment, des séries d'équipements qui pour protéger mon yo. N'a pas parlé de d'équipements durables, des ventilateurs. En fait, c'est de ça, en fait, prendre bien. Et Premier ministre, en fait, ministre de la Santé, Bahamas, là. Et, en parlant de Dr. Edward Sand, en fait, il dit c'est terrible ça qui a passé là. Et m'a dit que ce passé là, Custom Border Protection, ils ont informé, par exemple, ils ont ship, en fait, on va tap ship, qui est supposé à l'assaut, la donne de matériel médical, ils ont fait le connaître que le pape a débarqué dans Bahamas. Ils ont pris un conteneur, ils ont retourné Miami avec, ils ont dit c'est pour inspection. Ils ont fini faire inspection, en n'est pas fait, ils ont qu'un bel en main. Donc, il y a pas de complaint, comme quoi tu as une drogue, pas de drogue. Donc, ils sont véritables problèmes. Depuis ces matériels médicaux, voilà, chez les États-Unis, autant de nous, clients, ils n'ont pas inspecté. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'avant nos matériels médicaux. C'est pour mettre mon. Et là, nous autres parlons de ça qui passé. Barbade, mais, bon, ben, notre pays, tout qui dit, ils ont fait même expérience là. Et blocage, ça, que les pays Caraïbes ont expérimenté, c'est depuis 3 avril, côté que Donald Trump a signé, ça nous connaît qui est le Defense Production Act là. Ok, qui baille justement pour pouvoir fédéral là, autorité justement pour interdire des trois compagnies vendre. En fait, bien entendu,
yo choisi par suite de ça vendre empêcher des entreprises aux États-Unis vendre des produits et en fait des produits médicaux à d'autres pays, notamment les pays de la Caraïbe. Mais on dit que une compagnie qui a été bloquée, son compagnie en manufacture qui est le 3M, a été bloquée dans ce sens-là. Et comment on dit, c'est terrible ce qui a passé là. On a parlé de une crise humanitaire, une bagarre qui a eu des conséquences désastreuses sur les citoyens saïens qui vivent dans le Caraïbe là. Comment se fait-il que pour ne pas arriver dans le point ça, au point que n'y a pas eu de compassion? Maintenant, pendant la quantité de ventilateurs qui a saisi, ce n'est pas un ban, non. Par exemple, je vais expliquer yon là-dedans. C'était yon, on dit, par exemple, mon religieux qui devait faire un geste avec le pays. À peine si tu as 50 ventilateurs comme ça, tu as bouillé par balance. Tu as bloqué. Donc, pour que nous sommes bon, dit dans un moment là, je parle de 50, yon n'y a campé là, même là, tu as 5 ventilateurs. Ou la ou te met gon 5 ventilateurs ou gon 3 gants ap voye ba un pays de Caraïbes là ou nan chaud. On pou Barbade même, yo di c'est 20 ventilateurs. 20 ventilateurs. Ou ka comprendre? Donc yo just di ça pa fait. Yo pa prend produit ça ou voye ba pays Caraïbes yo. Donc c'est une situation qui vraiment marqué en pile consternation. Et qui baille répugnance, son dégoût justement par rapport à un comportement et sans aucune compassion, il y aurait que tête simplement, alors que des pays de la Caraïbe sont aussi exposés. Mais bon, d'où, en fait, pour comprendre Oséa, il se trouve que pays ça, ils ont fait des commandes dans le pays de la Chine, ils ont joué. Vous comprenez? Ils ont joué. Mais bon, d'où tout que. Donald Trump, en fait, ça pas supposé surprendre nous. Parce que quelque part, en pile gouverne pas bon ici. En fait, on parle de en dans pays à même, des gouverneurs. Ils ont fait des commandes pour venir jouer dans state par eux, pour voir fédéral la bloquer. Donc, s'il a bloqué des séries de commandes qui sont dans gouverneur à l'intérieur du pays, la bloquer pour venir dans même. Dans le sens que c'est lui qui n'a pas le droit pour le distribuer de façon pour qu'il dise bon, il fait tel côté favel bail, j'ai bien contrôle lui. Donc, si la bloque des séries de achats fait, donc nous n'avons pas besoin de parler justement pour les pays de l'extérieur. Donc, c'est comme ça la situation est là. Et maintenant, en fond, nous bien que les nouvelles apprennent la rue, il y a parlé de saisie et les gens qui parlent dans le pays, ils ont commencé à faire toller. Eh bien, ils ont démenti ça. En fait, nous voulons parler de. Custom Border Protection dit c'est pas vrai. Pourtant, Papita qui vendredi Maison Blanche là, mais ça le dit dans statement. Mais ça le dit. Il dit les États-Unis, même j'avais l'autre pays, nous pas rien, on dit j'avais rien, pas rien mal, nous pas rien bagaille. Nous pas rien pour nous bailler mon enclair ça dit. Il dit ça au gain qui est disponible en de petites quantités. Donc production capacité limitée, yo pas dans causer ça avant. Donc c'est ça lié. Donc, pas qu'un conseil la parler de gestes humanitaires. Même notre débat 10 ventilateurs, nous pas d'accord. Donc, c'est ça qu'on comprend là. Et maintenant, président Donald Trump, bien entendu, je te posais la question, ça, dans la conférence que le débat hier lundi, il dit, même dans tout le débat, il dit non, ça qui a respecté, c'est pas pour rien, très certainement, il y a une drogue, il y a fait trafic. Il a fait trafic d'êtres humains, c'est pour ça qu'il a arrêté, c'est ça le fait comprendre. Pour lui même si ça va dans aucun rapport avec le fait que l'il interdit pour t'avant n'importe pays dans Caraïbes des produits médicaux, c'est pour ça que l'il te baille. Donc il dit c'est drogue avec et ça t'a relé justement traitement et trafic d'êtres humains. C'est ça la panne. Et donc, la parler de human trafficking. Donc, c'est une situation qui est très difficile. Par exemple, bien Los Angeles Times, justement, qu'elle dit, dans le moment où on a parlé là, et en fait, tu as déjà un taux de dollars près de 7 states. 7 states qui ont bloqué le shipment. Donc, si vous bloquez le shipment pour 7 states, dans le pays, mes amis, nous ne comprenons pas ça, ça veut dire.
Et donc, c'est on dit que c'est une crise aiguë que justement Caraïbes a passé dans un moment ça. En fait, l'un des pays qui a poussé fort, c'est Dominican Republic, la République dominicaine. Justement, côté que quantité infectée a augmenté plus vite chaque jour. Donc, alors que, on est au fait, et aux États-Unis, pas qu'à venir. OK? Et, fond du nom, on a parlé là, en total, pour tout, en fait, son total de 60, 33 pays de la Caraïbe, il y a seulement 4 000 monde. Donc, ça va vous dire que c'est pas un pile monde, mais n'importe les capable d'augmenter. Donc, il est supposé et préparer en conséquence. Déjà, c'est 185 monde qui mourent perdre la vie pour à peu près 33 pays de la Caraïbe. Et Bahamas, on en a parlé, il y a 41 cas qui confirmés. Donc, c'est vrai qu'on est capable de constater que, de manière générale, dans le pays Caraïbe, en fait, c'est nous qui commence à prendre poids, mais puis il faut l'autre pays, c'est pas aussi grave que ça en termes de quantité de monde qui est infecté. Mais nevertheless, nous connaissons que quantité de monde qui est infecté à son bagage, il n'y a rien du tout de vous gagner coronavirus à Caraïbes, il est capable d'augmenter à n'importe quel laisse ou pas prendre des mesures conservatoires pour empêcher le monde de sortir. Donc, il est tout capable de faire des dégâts. Et donc, en substance, ça nous devrait dire, c'est que et Haïti, le pays de la Caraïbe, justement, il n'y a pas besoin de mettre espoir sous des séries d'ordres que vous êtes capable de faire pour des produits médicaux qui peuvent sauver la vie si vous les États-Unis ou mettre mourir. C'est ça, ou mettre mourir. Donc, mais j'ai une situation. En tout cas, nous devons vous update ça pour vous. J'aime toujours dire, vous pouvez brancher, reconnecter, partager et vidéo nous sur les réseaux sociaux. Portez-nous bien.